Comment réclamer ces diamants? Je vous ai toujours dit, actuellement, la valeur d'un diamant est au-delà d'un dollar. Et il y a plusieurs moyens pour pouvoir utiliser ces diamants-ci afin de les mettre à bon escient. Donc, toi qui regardes cette vidéo et que tu souhaites savoir comment tu peux utiliser tes diamants, je veux un maximum de commentaires. Voilà, tant que je n'ai pas un maximum de commentaires, voilà, et un nombre de vues assez considérable, voilà, donc je m'aventurerai pas à partager cette astuce avec vous, voilà, parce qu'il y a juste autour de 3 personnes qui souhaitent depuis. Je reçois pas mal de messages d'eux, mais c'est pas suffisant. J'estime que c'est pas suffisant. Il faut un bon nombre de sollicitations, voilà, pour me motiver davantage à vous montrer comment les utiliser. Voilà, donc je suis à plus de 10 300 diamants. Donc, s'il faut juste calculer sa valeur actuelle, c'est à plus de 10 000 euros déjà, 10 000 dollars déjà. Voilà, donc je vais réclamer aujourd'hui 50 diamants qui va comme ça venir augmenter mon compteur à plus de 10 400. Voilà, c'est fait. Je clique là-dessus. Ok, c'est fait. Voilà, le compteur. Voilà, 10 400. 10 400, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. J'ai fait une capture directement pour partager cela avec la communauté. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, si cette vidéo vous intéresse, voilà, n'oubliez pas de la partager et de liker. Voilà, donc je tiens encore à arrêter que pour ceux qui veulent savoir comment faire, voilà, un maximum de commentaires. Tant qu'il n'y a pas un maximum de commentaires et un maximum de partage et de vues, voilà, donc je ne m'aventurerai pas à partager cela avec vous. Voilà. J'estime encore que vous êtes très peu. Il n'y a que 3 personnes qui sollicitent actuellement et j'estime que c'est très peu. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur ma décision. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Pour ceux qui viennent de nous prendre en main, vous êtes comme ça connectés sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Voilà, nous allons voir les tendances du marché. C'est une chaîne qui vous partage pas mal d'informations dans l'écosystème de l'investissement crypto, l'écosystème de l'investissement boursier, les marchés financiers, l'écosystème de l'immobilier. C'est-à-dire que tu peux investir sur un bien à partir juste de 10 euros ou 10 dollars. Ça dépend de toi. Voilà. Donc, les tendances du marché actuellement, on voit très bien que le Bitcoin a encore perdu. Voilà, encore perdu. Bon, hier, le marché était totalement ouvert. Ce matin, voilà, il y a pas mal de projets qui sont au rouge, mais la majorité des projets sont ouverts. Voilà. Ça veut donc dire alors que le jeudi était une journée noire. Dans l'écosystème des crypto-monnaies, il y a eu plusieurs projets qui ont perdu environ 6 à 7% de leur capitalisation boursière. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. C'est le moment de préparer le bull run. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la préparation du bull run, donc les projets sur lesquels il faut se positionner maintenant, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo détaillée pour partager avec vous 10 projets susceptibles de créer de la richesse au prochain bull run. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez cela. Voilà, comme ça je pourrai réaliser cette vidéo pour vous. Retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez. Bye bye.